Et salut à toutes et à toutes, aujourd'hui épisode 2 de Mad Mads. Récemment j'ai rencontré le bossu Notre-Dame, on m'a volé ma bagnole, la totale, c'était la totale, c'est super, tout est super génial. Maintenant je vais dans le camp, enfin dans à la planque de bossu Notre-Dame que j'ai complètement bouffé son nom. Parce que entre temps j'ai fait une micro-pause. Attends, je crois que dans BIOS il s'appelle personnage, il s'appelle Shabunken, voilà. I can make you become steel real, my angel. I can build your corpus and ignite your sacred fuel. True, but only the warrior saint can drive you. Yeah, that is why you send him my way. Ok. C'est bien, c'est un... Entre-temps, t'as des petites histoires de ce tel personnage. Donc, maintenant, on va aller à la planque, parce que ça fait déjà un petit bout de temps que j'ai commencé la vidéo. Hop. On va à la planque pour refaire une voiture plus rapide, plus puissante. Voilà. Allez, 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 voilà. Attends, ah, par contre, je vois un truc. Putain, c'est quoi déjà la map? Ah non, mais je crois que t'as pas encore la map, je crois. Je vois juste un truc, logo de main. Qu'est-ce qu'on a ici là? Ouh, bah tiens. Bonjour messieurs dames. Bonjour. Connaissez-vous la voix de Raptor Jésus? Ouh, quel bout! Ça c'est bon ça. Alors fais voir, tiens, t'as la ferraille. Prendre le butin. Hop. La ferraille aussi. T'avais pas un truc? Ah voilà. T'as encore un morceau de ferraille à récupérer. Alors il est où le morceau de ferraille? Il est où? Il est où? Petit. Peut-être là-haut là. Je peux pas rentrer dans le conteneur là? Non. Là, je peux. Ah, quoi que. Ouais. Oh. Ah, c'est les chiottes. Ah oui, d'accord. Bon, voilà, je l'étais à côté. C'est impeccable. Bon, maintenant, on va à la planque. Pour aller enfin récupérer. Enfin, voir si je peux. Putain, mon Dieu. Allez, hop, impeccable et cinématique. Shabunken, cachette. Ouais, c'est une cachette. Moi, j'appelle ça une planque. Ah, enfin, la maison. C'est un ancien navire, d'après ce que j'ai vu de l'extérieur. Tiens, un petit réserve d'eau. On va faire le plein. Ouais, il y en a. Ouais, c'est déjà pas mal. C'est pas le plein, mais bon, c'est déjà ça. T'as presque à la moitié, c'est très bien. C'est... Alors, c'est quoi? Qu'est-ce que tu veux me montrer, mon petit? By the fire that moves the piston, by the tranny on all high, by the cam and the huge on blessed be, here she lies, magnum opus! There she is! This ain't her car. It's just a mess of parts. No. She's knowledge from the numinous, divinely inspired. She wills herself upon this world. Look! See? Here, divine meets drive shaft and a symbiosis of faith. Modded and made to measure. You want some of that old-time religion, huh?
classic whammy turbo high donk. Huh? Hell yeah! Bulletproof and torture tested. Aesthetically upgraded with chum bucket overdrive. Coils and springs, shocks and links too. It's gonna be out soon. There's nothing less. Yes, we will get there. Yes. First, we have to get her beautiful body. Show me where it is. Yes. Come. No time like the present. Come on, Sig. We must go. Donc voici la Magnum Opus. Bah, c'est très bien. C'est très bien comme voiture. Bon, c'est vrai qu'il n'y a pas grand chose. Hein. Alors, conduisez jusqu'au cimetière. Ah oui, la carte. Enfin, j'ai la carte. Et voilà la map. Putain, il y a beaucoup de choses sur la map à faire. Non, honnêtement, tu passes une après-midi à faire toute la map, c'est nickel. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Un camp épouvantail. Ah oui, parce que sur chaque endroit de la map, en fait, t'as des trucs à détruire. Et t'as un système de niveau, en fait, de level 5. Donc, c'est... En fait, je sais pas, ça sert à... Je crois qu'ils expliquent, donc... plus que le chiffre est haut, plus que t'es... plus que les ennemis sont présents. Et plus le niveau baisse, moins les ennemis sont présents sur la map. Je crois que c'est ça, si je dis pas de bêtises. Donc on va aller au cimetière maintenant, parce que c'est pas pour tout ça, mais causer, c'est bien, mais... Enfin. Bon, bah il manque le carrosserie, je sais pas qu'est-ce que je vais mettre comme carrosserie, ça je verrai. Mais c'est très bien comme... Je sais pas du tout qu'est-ce que c'est comme moteur. Réservoir presque vide. Ah merde! Ah merde, ça c'est pas prévu ça au contraire. Faut que je trouve. Carburant, tous les véhicules ont besoin de carburant. La jauge de carburant vous indique le niveau du réservoir. Oui. Et, alors je vais dire un truc, c'est très con. Même moi je ferais un jeu, je n'aurais même pas pensé à ça, dans un jeu comme ça. Hein. Mais c'est, dans un sens, c'est une bonne idée en fait. C'est bien. Parce que tu pars en aventure, mais vu que t'es dans un monde... voilà. Mais je crois, si je dis pas de conneries, il y a un autre jeu comme ça. Merde, le réservoir est vide. Qui s'appelle Rage. À peu près même similaire que Mad Max. Un beaucoup plus vieux, je crois. Je ferai sans doute une vidéo... Voilà, décharge explorée à 100%. Bon, le réservoir, y a pas d'essence, y a rien du tout. Whoever was here is long gone now, along with anything of use. Come on around, keep your eyes peeled. Oop, a big steel gift box. What prizes do you hold? Tiens, il y a du monde. Bonjour, messieurs, dames. Aïe. Allez, le plus dernier. Oh, mais le dernier ennemi qui se trouve dans la zone quand t'as la cinématique, ça, c'est... qualité. Alors qu'est-ce qu'on a? On a de l'essence, donc on va faire le plein. C'est plein, bah tant mieux. Faire le plein de la Magnum Opus. Ouf. Voilà, comme ça on a de l'essence au moins pour un petit bout de temps, c'est impeccable. Voilà, nickel. Je crois que je vais prendre un autre réservoir. Ah ben en plus il est stocké un jerrycan dans le Magnum Opus. Ah ben tu vois. Voilà. Stocké. Maintenir A pour stocker le jerrycan. Voilà. Fais voir. Ah. Alors il y a quoi? Deux ferrailles à trouver dans la zone. Deux ferrailles.
On a vu la deuxième sur le prophétie ici, non? Impeccable. Voilà, décharge explorée à 100%. Impeccable, chef. Hop. On est loin, là? Oh, il y a quoi? 400 mètres? Conduisez jusqu'au cimetière, ouais. Bon, on y arrive bientôt au cimetière, c'est impeccable. Ah putain, ouais, d'accord. J'avais complètement oublié, c'était comme ça, le cimetière. Détruisez le portail. Les portails fragiles de ce type peuvent être détruits en faisant exploser un jerrycan à leur base. Ah. Restriction collision. Ah, je suis obligé de détruire avec un jerrycan? Ah, ça me fait chier ça. Ça me fait chier, bon. Alors, enflammé. Voilà. Et boum, ça explose. Oh Dieu. Trouver une carrosserie. Oh, ben, il y en a beaucoup ici, hein, donc. C'est vrai que de nuit, ce jeu, il est aussi beau, mais aussi de nuit. Hein. Il n'y a pas à dire, hein, ce jeu. Hein. Ah oui, les tueuses d'hommes. Moi j'appelle ça des... Comment on appelait ça? Les bombes, les genres de grosses bombes en rond avec des pics partout qui se trouvent dans l'eau là. Utilisées pendant la guerre. J'ai complètement oublié. En fait, c'est à peu près la même chose. Hein. Attention à pas les toucher. Mon Dieu. Recule. Merde. Voilà. Impeccable. Oh putain, c'est l'air. Ah là là. Qu'est-ce qu'on a ici à fouiller? Il y a trois ferrailles à chercher dans le coin, ok. Atteignez la plateforme des carrosseries. Ouais, il faut passer par le tuyau. Nel. Oh, c'est rien, c'est les oiseaux. Ah, il y a quelque chose, Marcel. Monsieur, madame, il y a quelqu'un? Non, il y a personne. Ben, ça me fout une trouille. Hein. Enfin. Voilà, une ferraille. Maybe I could zip down this.
Oui. Wouhou. Impeccable. Alors. Flashlight. Une lampe torche, où ça? Ah oui, ah bah, c'est parfait ça. Récupérer la lampe torche. Bah voilà, c'est très bien. On y voit quelque chose maintenant. Ouais, honnêtement, c'est vrai qu'il manque le mode FPS quand t'es en pro, quand t'es en, comme ça en, à pied. Je pense qu'en mode FPS, ça serait un poil plus fun, tu vois. Mais bon, c'est pas. C'est dommage. Je pense qu'il doit avoir un mode. J'ai pas regardé, tiens, ben. Un réserve d'eau. Voilà. Et en plus, je vais prendre un peu de santé. Je vais boire un peu parce que j'ai la santé qui est un peu faible. Voilà. Et hop, et on remplit. J'aurais dû d'abord boire et puis remplir après, mais bon. Oui. Wouhou. Alors. On se ferraille. Est-ce qu'il n'y a pas... Ah, si, voilà. Impeccable. Explorer 5 décharges à 100%, c'est impeccable. Qu'est-ce qu'on a ? Ah, c'est un morceau de pick-up, d'accord. Hop. Et là, alors, cimetière, furnage, choisissez une carrosserie. Donc on a une carrosserie style bah je sais pas parce que je ce style de carrosserie je vois pas de quelle voiture elle y est de base. Enfin en voiture réelle à peu près. Je vois pas du tout. Donc on va dire année 2000. Une carrosserie année... Ah, j'ai un petit coup de cœur pour celle-là, tu vois. Après, ouais, t'as celle-là, la Wild Hot, la D-Dry. Celle-là, elle est bien parce qu'elle est aussi années... La carrosserie, elle est les années 30-40. Elle est pas mal. Et celle, tu as des années 60-70. Ouais, tu sais quoi? Je vais prendre, comment elle s'appelle? La Solfège... La Schaufelfass. Ouais, celle des années 80. Allez, vendue. Je peux la voir? Ah oui, je peux la voir. Ouais, elle est belle. C'est une belle carrosserie. Et puis, je crois que pendant, quand tu te balades dans la map, tu peux trouver les autres carrosseries si tu dis pas de conneries. Oh oh. Bonjour. Esquive. Ah. Au suivant, messieurs, dames, s'il vous plaît. Allez, viens. Viens, Billy. Allez, viens. Sauf qui peut Marcel. Démarre, 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 démarre. Combat de véhicule. Appuyez sur LB plus B pour viser et tirer sur les pointes faibles avec le fusil. Utilisez Hit plus L pour réaliser un choc latéral à droite ou à gauche.
Voilà, ça c'est plus simple. La voiture est détruite. L. Ah oui, d'accord. Et c'est parti, je suis en panique, quoi. Mission de l'histoire terminée. Magnum Opus. Schumbeck appelle sa voiture à la Magnum Opus. Elle ne ressemble à rien pour l'instant, mais elle a du potentiel. On a trouvé une carrosserie. Mais il y a encore du travail pour en faire une machine de combat. Ah ben ça c'est sûr. Appuyez sur A pour continuer. Oh la bagnole fume, c'est moi. Ah oui. Tiens mais répare la bagnole. Bon, évidemment, au tout début, c'est très lent pour les réparations, tout ça, mais... Voilà, quoi. Allez. Voilà, on dirait... la carrosserie, elle ressemble à une carrosserie de la Ford... De la Ford Mustang des années 60. J'ai l'impression... Elle ressemble à peu près, tu vois, de ce côté-là. Du côté, elle ressemble à une Mustang, tu vois. Ah, mais c'est peut-être ça, on va savoir, hein, de base. Allez, maintenant on retourne à la planque. Nickel. Et le pauvre toutou. Bon, alors, mon toutou. Attends, mode capture. Je vais voir si je peux pas zoomer un petit peu plus. Comment il a fait Ah ouais. Ah ouais, il se débrouille bien, putain. Ah, il a fait un truc, ouais, pour. C'est bien. Je vais voir un peu la race. Enfin, la. Ah ouais. Ah, il est plutôt bien fait, le chien. Hein. Bon, bien fait. Sauf les pattes qui sont en. En 144p, mais après le reste, ouais. Enfin. Est-ce que j'ai des trucs à récupérer? Non, j'ai rien. Ah, le moteur. Le beau moteur. Oh, il est beau. I need more than just a body and some wheels. Hey, man! We need parts, scarce as they are. Help me gather all this scrap. Fashion a harpoon. Ah, il veut que je récupère des pièces pour fabriquer un harpon. Je dis pas non. Alors, tac. Récupérer de la ferraille. La ferraille est nécessaire pour améliorer de la Magnum Opus et on peut récupérer partout de la terre. Désolé, ouais. En fait, la ferraille, c'est le premier truc le plus... qui est en prioritaire dans ce jeu, en fait, la ferraille. Parce que c'est grâce à ça, en fait, tu peux améliorer ta voiture et tout. But the jag tip, it's not here. See, it's not here at all. Yeah, it's in my bunk. For it's just there for safe keeping. Récupérer la pointe. Ah. Sa pointe est dans sa couchette. J'ai même pas envie de savoir ce qu'il fait avec, tu vois. Ah oui, ah oui, oh mais il est bien en fait ici, ah oui, en plus près du soleil, ah oui, bah ça va, il a belle vie. Et ça c'est son lit, d'accord. Eh ben pourquoi pas. C'est vrai, pourquoi pas d'avoir un lit comme ça en forme de pneumatique. C'est vrai que, ouais, c'est pas mal. Tiens, Chump. Chump Bucket. J'ai ton point.
Bienvenue dans le garage, c'est ici que vous construisez et personnaliserez la Magnum Opus. Impeccable. La catégorie harpon est indiquée avec l'objectif de mission et allez maintenant pour installer le harpon basique. Mat s'est récupéré, tac. Pour 15 ferrailles. Installation réussie. Ouais, j'ai assez pour de toute façon pour déjà commencer déjà à peu près améliorer la voiture. Tiens, c'est quoi ce truc nouveau? Ornement de capot. J'ai un nouveau dans le coin, c'est ça? Non, mais il est arrivé. Non, mais il est arrivé. Autant qu'on l'en fait voir. Ah, je peux même pas voir en fait. Non, bon. Légende. Ouais. Impeccable. She'll need nitrous. I know how, but we need the parts. We just get them. It'll be easy with the harpoon. Yes, but first, Scrotus war boys are out there. And if we don't weaken their numbers, why, it'll mean the end of you, me, and the Magnum Opus. All right, let's do it. Alors, sortez de la cachette de Chapbacca. Hop. See those metal monsters? Scrotus war boys put them up to mark their turf. Bring them down for good. Ramming could damage our front. Détruisez les épouvantails. Ouais. D'accord, c'est avec les flèches. Je me rappelle, c'était avec les flèches. Ah oui, bon, bah, s'il faut foncer avec. Menace ready. Ouais, tu vois, c'est le système de menace. Bon, c'est bien ce que je me disais. C'est bien ce que je me disais, que j'étais en train de dire tout à l'heure. Bah, de toute façon, là, c'est juste le début. C'est pour ça que la menace baisse rapidement. Mais si tu vas dans les autres coins, la menace baisse doucement. Parce que t'as deux fois plus de choses à faire, en fait. Alors. Un peu d'abus. Observez le camp en point d'observation. Ouais. What's the purpose of these camps? From the very ground and sent in convoys to be refined and gasolined in Gas Town. Alors, je sais pas pourquoi il faudrait une deuxième observation, mais on va voir. Hein. Alors, let's see. Voyons. Aboyeur. La seule fonction d'un aboyeur est de ramener les occupants. Oui, c'est un système d'alarme. Voilà quoi. Donc c'est lui, d'accord. Une fois en mode de guerre, ils sont plus dangereux. Il est difficile à tuer, éliminer la brouilleur pour éviter que le camp passe en mode guerre. Ok. Ça c'est tube de lance-flamme. Ok. Un sniper. Putain, il y a des snipers. Oh putain. Bah je crois qu'il y a que ça. Hein. Ouais. Prenez des camps. La périmètre des camps est souvent protégée par diverses défenses lorsque il y a approché d'un camp. Ces défenses se passent en mode alerte. Si la jauge d'alerte est pleine, la défense du camp passe en mode guerre et sera nettement plus dangereux. Appuyez sur A pour continuer. Camp is light defenses. I'll deal with them before entering. Yes, yes. Nothing our sweet Magnum Opus cannot handle. Et mais pour ça, parce qu'il faut que j'élimine le sniper. Ouais, mais ça sera dans le prochain épisode. Sur ce, merci d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à la prochaine. Et n'oubliez pas, tous les vidéos de Mad Max seront le mardi entre 15h30 et 16h. Donc sur ce, je vous dis à la prochaine.